Alléluia. Alléluia. Papa a dansé là. Papa, papa. Foto vino papa. Kouvene ya soute là. Volo to papa. Fête a dansé là. Banou crèche chaque jour. Manger la chair. Travail. Pardonnez-nous papa. Consacre nous. Banou fosse la papa. Asou, diabla, le la vie arrête. Bouche, béré, ou nous pas boli. Balè, nemi, plus grand qui sont seuls. Plus grand président, la plus grande star. Le number one. Depuis toujours, et pour toujours. L'ennemi de conjoint, l'ennemi comme la journée. Après jour, 24 heures, c'est ça même. Merci parce que le quatrième jour où la vie a démarré avec les as, tout. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce jour, ce quatrième jour où tout a commencé. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, que ce nom soit glorifié, que ce nom soit exalté. Amen. Ce Amen. Quatrième jour, qui, que le Seigneur a créé effectivement les astres. Amen. Amen. Parce que les astres sont là pour marquer le commencement des temps. Amen. Et c'est pour ça que nous avons ce quatrième jour s'appelle Yom Révi. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Révi? Alors, c'est bien ce flyer, je sais pas comment dire, c'est super bien parce que ça permet de comprendre les lettres. Alors là c'est le yon, mais nous allons nous attarder sur le révi. Alors vous avez un R ici, c'est le ret qui signifie la tête. C'est pourquoi quand on dit Bereshit, alors le B, ça veut dire dent. Hein, c'est le bête. Hein, c'est comme si c'est un bête comme ça. Bête, ça veut dire dent. Ça veut dire maison. Hein, dent. Et le R, ça veut dire la tête. Hmm? Il y a bien la lettre tête, mais la lettre tête, ça ne veut pas dire la tête. Hein, en hébreu, le mot tête, c'est resh, le ret du moins, ret, et c'est la lettre R qui s'appelle ret. Alors tout ce qui veut dire la tête, c'est le R, mais on voit bien que le quatrième jour commence par un R, comme pour le premier jour de la semaine. Premier commence par R, Rishon, et le quatrième commence par un R, parce que c'est à partir du quatrième jour commence. Parce que c'est un commencement. Il y a le commencement du premier jour et puis il y a le commencement à partir du quatrième jour. Parce que le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas de soleil. Le temps n'était pas mesuré. C'était trois jours, on pourrait dire, indéterminés, infinis. Amen. Indéterminés. À chaque fois, qu'est-ce qui permettait qu'on passait du premier jour au deuxième jour? C'était la parole. Chaque fois, je suis celui qui suis, disait
il y a un premier jour, il y a un deuxième jour. Le jour 1, voilà. Après le jour 1 est fini, le jour 2, c'était la parole qui séparait les jours. C'est la parole qui séparait les jours et les nuits. Les trois premiers jours et les trois premières nuits, hein, le temps que Yeshua passera au tombeau, hein, à l'époque de Yeshua, c'était déterminé par le soleil. Mais là, il n'y avait pas de soleil pour déterminer ces trois jours et trois nuits. Celui qui a déterminé ces trois jours et trois nuits, c'est la parole. Au commencement, c'était la parole qui était au commencement. Il n'y avait pas de lune. Il n'y avait même pas la terre. Mais pendant ces trois jours-là et ces trois nuits-là, on ne peut pas savoir on ne peut pas la mesurer avec le soleil. Mais pendant ces trois jours et ces trois nuits, la terre était déjà là. Il y avait de l'eau. L'eau était déjà là. Est-ce que l'eau est éternelle? Est-ce que la terre est éternelle? Non. Ça veut dire avant la terre, avant que la terre soit et l'eau là, soit tohu-bohu. Le tohu-bohu, c'est-à-dire le chaos, la confusion. Avant qu'il y ait cette confusion avec les ténèbres là, hein, tu avais la terre, hein, couverte par les eaux, couverte par quoi encore? Par les ténèbres. Et quatrièmement, qu'est-ce qui couvrait tout ça? L'Esprit Saint. Avant qu'on soit à cet état-là, il y avait déjà un autre commencement. Puisque tout ce qui est visible, la terre, elle est visible. Même si là, elle était informée vite, ça veut dire qu'on ne la voyait pas parce qu'elle était cachée sous l'eau. On ne voyait même pas l'eau parce que l'eau était cachée par les ténèbres. Mais avant que ces ténèbres existent, avant que cette eau existe, avant que cette terre existe, il y avait l'esprit. Mais il y avait l'esprit, mais là on parle de l'esprit se mouvait, mais c'est parce qu'il y avait l'eau, l'esprit se mouvait sur l'eau. Mais avant qu'il y ait l'eau, tout ça, il y avait quoi? C'était le néant. Et le néant, tout ce qui est visible sort de l'invisible. Qu'est-ce que l'invisible? L'invisible, c'est le néant. Qui veut dire que l'eau, la terre, tout cela, les ténèbres, ils ont eu un commencement. Et leur commencement n'est pas écrit dans les premiers versets de la Genèse. La Genèse nous parle d'un autre commencement. Mais avant ça, il y avait déjà... Parce que là, il est dit, au commencement, je suis celui qui suis, Elohim créa, ou c'est plutôt les Elohim créa, le groupe des Elohim. Ils ont créé le ciel et la terre. Mais le livre de Proverbes, Salomon nous dit, avant que l'eau fût créée, avant que les montagnes fussent immergées. Ça veut dire que la terre, là, elle était là avant l'eau. Puisqu'elle a été immergée. Soit elle a été plongée dans l'eau, ou l'eau est venue la couvrir. Et l'esprit, la parole, la sagesse se révèle, dit cette prophétie, j'étais déjà là. Qui veut dire, avant qu'il y ait le premier grain de poussière, on dit le premier atome. Qui veut dire, il y a plusieurs commencements. Alors, lorsque les scientifiques découvrent que la Terre a des milliards d'années, ne soyez pas étonnés. Laissez pas ce que la parole de Dieu dit. Mais la parole de Dieu n'a jamais dit que la Terre existe depuis du temps d'Adam. Il n'a jamais dit que
Il est dit un jour devant. Pierre dit ça. Un jour. Devant Elohim. C'est, non, c'est pas Milan. C'est comme Milan. Comme, comme ça veut dire. Comme c'est un exemple. Ça peut être. Ça peut être des milliards d'années. Mais pour l'Éternel, c'est un jour et une nuit. Alors, ces trois jours-là, on ne peut pas les mesurer. On peut commencer à mesurer à partir de Young Rishon. Young Revi, qui signifie quatrième. Le commencement. Ce n'est pas le commencement des jours, mais c'est le commencement du temps. Oh my being, Lord. C'est le commencement du temps. C'est-à-dire le temps. Le temps a toujours existé, mais c'était un temps infini. Mais là, ce sera le commencement du temps déterminé. Voilà. Il y aura des séparations. Mais pour cela, il y aura des créatures créées spécialement pour ça. Avant, c'était le créateur qui séparait les jours et les nuits. Qui séparait un jour et une nuit, le premier jour avec le deuxième jour avec le troisième jour. Ça, c'était les Elohim qui le faisaient. Et tous les créatures du créateur sont à son service. Amen. La lune, les étoiles, le soleil sont au service d'Elohim. Elohim les a créés pourquoi? Eh bien, pour marquer le temps. Et c'est quoi Elohim? Il nous dit de respecter le temps, d'observer le temps. Nous devons regarder le ciel pour savoir quel temps il va faire. Même Yeshua le dit. Quand vous voyez, quand le soleil se couche, observez le soleil lorsqu'il se couche pour savoir quel temps il va faire. Si le temps, qu'est-ce qu'il dit? Ton micro, s'il te plaît. Vous savez distinguer quand il va faire beau. Voilà. Et quand il va. Eh bien, à quel moment tu sais? C'est en regardant les nuages. Les nuages. Oui. Si tu vois au coucher du soleil, le ciel est rouge, ça veut dire qu'il va faire beau. C'est ce que Yeshua nous a enseigné. Yeshua, c'était scientifique. Si le ciel est noir, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Il va faire mauvais. Et pareil, au lever du soleil. L'Éternel a mis les astres, c'est pour que nous puissions les observer. Si les mages n'avaient pas observé le ciel, ils n'auraient pas su que le Messie était né. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Ils ont été créés pour cela. Quand vous avez une montre, vous regardez l'heure. Mais avant, il n'y avait pas de montre. C'était les étoiles. Et la montre qu'on a créée là est adaptée à cette horloge céleste. Cette horloge céleste, vous n'avez pas besoin de redonner de la chaîne. Le temps reste toujours pareil. Le temps ne change pas. Depuis le premier Yom Revi, le premier quatrième jour, depuis le jour que le soleil, la lune et les étoiles ont été créés, c'est toujours le même tempo. Et c'est quoi le Seigneur? Il marque le temps. Par le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Mais ça a commencé au quatrième jour. Alors, la lettre R, c'est la tête. Alors là, c'est la lettre Bet. Mais qui est prononcée par V. Parce que ça peut être prononcé V ou ça peut être prononcé V. Alors,
Alors, ces deux lettres-là sont très importantes. À la place du R, souvent, vous pouvez voir Aleph. Aleph Bet, les deux premières lettres de l'alphabet. Parce que le Bet, là, cette lettre-là, qui se prononce V, c'est la deuxième lettre. Quand il y a Aleph Bet, hein, c'est comme on dit l'alphabet. En hébreu, on dit Aleph Bet. Quand il y a un Aleph et un Bet, ça se prononce comment? C'est le mot Abba, qui veut dire père. Amen. Alors, le V qui est là, c'est un Bet. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que c'est un Bet. De même que Aleph. Aleph, ça veut dire le commencement. Le Ret, ça veut dire aussi la tête. Qui veut dire que ça a la même signification. Le Ret et le Aleph ont la même signification. Quand Yeshua dit « Je suis l'Aleph », ça veut dire « Je suis le commencement, je suis le premier. Je suis la tête. » Et Ret, ça veut dire « Je suis la tête. » Amen. Aleph. Un Ret ou un Bet, ça a la même signification. Alors, je veux dire, si c'est un Aleph, ça fait Abba. Abba, ça veut dire père. Ici, là. Qui veut dire rêve. Rêve ou rave, ça signifie la même chose que père. Ça signifie... S'il y a un B, là, ça peut se prononcer aussi rab. Ce qui veut dire ça, c'est un diminutif du mot rabbin. Rêve. Oui. Le rêve, c'est un diminutif du mot rabbin. Parce que rêve ou rab, c'est la même chose. C'est le rabbin en abrégé. C'est pourquoi les rabbins, on les appelle les... Voilà. Parce que le V, c'est un B. C'est comme si tu disais Abba. Quand Yeshua dit n'appelez pas personne père ou maître. Maître, c'est Rabbi. C'est ça. Rabbi. R, bête. Oui, c'est Rabbi. Rabbin, Rabbi. C'est Rabbi. Le V qui est là, c'est un B qui se prononce V. Comme Abraham, ils ne disent pas Abraham, ils disent Avraham. Mais c'est toujours cette lettre-là. C'est simplement lorsqu'il faut prononcer le B, ils mettent le point, ils mettent un point au milieu ici. Alors, mais c'est la même signification. Père ou Rabbi, c'est toujours celui qui engendre. Celui qui est le maître. Ça veut dire que c'est toujours celui qui est le premier. Amen. Alors, Rav et Père et Abba, c'est la même signification. Et qui veut dire ce jour-là, il y a le mot Rav. Il y a le mot... Oui, parce que les deux premières lettres, il y a le mot Rav. C'est le mot Rav. Qui veut dire, c'est un diminutif du mot Rabbin. Qui veut dire que vous avez les trois premières lettres du mot rabbin ici. C'est le noun qui manque. Vous avez le ret, vous avez le bet, et vous avez le yod. Qui veut dire que ce mot quatrième veut dire en même temps le quatrième jour. C'est pourquoi ça s'appelle... C'est pourquoi les premiers les jours ont des numéros. Parce que les numéros, il y a toute une science, il y a toute une connaissance. Ça veut dire, c'est ce jour que tout commence, c'est ce jour qui a été créé. Eh bien, les raves, c'est-à-dire les maîtres qui contrôlent, qui instruisent sur le temps. Parce que toutes ces créatures, le soleil, la lune, les étoiles, ils sont là pour nous enseigner le temps. Pour nous enseigner quel temps qu'il est. Et quel temps qu'il fera.
C'est quoi les astrologues, lorsqu'ils ont besoin de connaître l'avenir? C'est les étoiles, c'est ce qu'ils font. Ils ont pris cette connaissance où? C'est parce que les fils, un autre jour on viendra ça, les fils d'Elohim, les Néphilim, ceux qui sont venus rencontrer les jeunes filles, c'est eux qui ont transmis à l'homme cette science de la divinité, cette science de la divination du monde. Et que l'Éternel, c'était pas l'Éternel qui leur avait demandé de faire cela. Mais ils ont fait cela, c'était pour séduire les femmes, et ce sont ces rapports sexuels qu'ils ont eus qui ont donné des géants, et qui fait que les démons sont entrés dans les hommes. Et c'est quoi le Seigneur dit? Que mon esprit ne restera pas toujours dans l'être humain. Parce qu'il s'est marié avec des créatures, une autre créature. Ils ont eu des enfants avec une autre créature. C'est vrai, ce sont des sujets qui nous dépassent. Mais lorsque nous, on s'intéresse à ça, l'esprit nous aide à comprendre. Ces êtres ont réellement existé. Mais c'est leur rapport avec les filles qui ont des géants. Oui, parce que si dans la Bible on en parle, c'est que ça existait. Oui, et puis à l'époque qu'on a écrit la Bible, ça ne choquait pas les gens. Mais c'est-à-dire comme avec... comme c'est l'histoire, ça fait tellement de temps que ça s'est passé, et puis il n'y a pas beaucoup de livres sur ce sujet. Alors, je ne sais pas si... Alors, je ne sais pas si c'est trop fort. Parce que je ne sais pas si c'est trop fort. Amen. Voilà. Alors, c'est pour expliquer que ce mot-là, c'est vrai, la semaine dernière, on avait ébauché un peu, mais c'est pour comprendre que le mot quatrième, il y a le mot commencement là-dedans. Quand Bereshit, Bereshit, je ne sais pas si cette Bible-là le dit, je vois si cette Bible dit. Je vais voir si c'est Bible dit Bereshit. Alors, Bible. Alors. Parce que regardez les trois premiers. Voilà, c'est là. Vous allez voir, Bereshit ici. Bereshit. Voilà, vous voyez le mot Bereshit. Le B, bon, c'est bête. Mm. Vous voyez le R. Mm. Le R qui est là, c'est ça veut dire la tête. La tête. Et le B qui est devant, ça veut dire la maison. Mm. Ça veut dire dans. En fait, dans la maison, la tête. Dans, ça veut dire en haut commencement. Ça veut dire dans cette période du commencement. Le B, c'est le bête, ça veut dire dans la tête. Ça veut dire dans cette période-là. Et cette période-là, ça peut être des milliards d'années. C'est-à-dire dans la période du commencement, Réchit. Réchit. Hein? On voit Réchit et voilà. Réveillé, eh bien, on retrouve le mot commencement. Et pourtant, c'est le quatrième jour. Hein? Et lorsqu'on revient dessus, par exemple, Rishon, ouais, on retrouve ces lettres-là, tu vois,
et Rishit. Rishon, on retrouve le R. Le premier jour, on retrouve le R et le Shin. Et puis, à la fin, mais on retrouve au moins ces deux premières lettres dans Rishon. Le Vav et le Nun. Mais qui veut dire que en hébreu, rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Voilà. Après, vous avez le Yod. Alors, le Aïn, c'est une lettre silencieuse. C'est une lettre silencieuse. Voilà. Et puis, encore un Aïn. L'avant-dernier, c'est Aïn? Oui, Aïn. C'est une lettre silencieuse qui signifie l'œil. Vous avez le ret, la main et la tête dans la maison, dans ou la maison, la main, l'œil, la main. Hein? Vous avez deux mains. Deux mains et l'œil entre les deux mains. Et ça signifie quatrième. Mais c'est une lettre silencieuse. Par contre, dans Yehoshua ou Yeshua, le A qu'on entend à la fin, c'est cette lettre-là. Mais comme elle est silencieuse, on entend la voyelle. Parce que dès que vous entendez une voyelle à la fin d'un mot en hébreu, soit c'est cette lettre-là, soit c'est un Yé, hein, qui est l'équivalent du H, ou le Aleph. Bon, il n'y a pas d'équivalent, ni en grec, ni en latin. Et c'est après le Yod, là, à ta droite, là, la deuxième lettre. Ici, là, mais là, c'est le mot jour, c'est Yom. Et Yom, attends, Yom, Yom. Ça, c'est le Yod. Ouais, oui. Alors, cette là, c'est un Vav. Le Vav, voilà, c'est ça. Le Vav, alors là, c'est-à-dire que c'est un V. C'est la même lettre que ça. Là, ce V-là, c'est un bet, mais le V normal, c'est cette lettre-là. Mais le V peut être prononcé O ou U. On peut le prononcer O. Là, c'est O, mais il y a d'autres fois, c'est U. Lorsqu'on dit Yeshua, le ou de Yeshua, c'est ça. C'est un V. Ah, c'est quoi? Vous allez voir des gens qui mettent après le SH un W. Le W ou bien un V, c'est ça. C'est ça qui fait le son ou. Et à côté, le troisième. Et la fin, c'est le même. Le même final. Le même. Le même. Même, c'est M. Qui signifie l'eau. Là, tu as la main, le clou et l'eau. T'appelles ça même? Même. M-E-M. Ça se prononce même. M, on dit M en français et en hébreu, on dit même. D'accord? Voilà, toi, il te donne dans le Genèse 1, verset 17, verset 19. Le quatrième jour. Mais c'est pourquoi que c'est important de comprendre c'est pourquoi les rabbins s'appellent Rav. Voilà, c'est simplement, c'est le B qui se prononce V, et ça veut dire rabbin. Rabbin. Et c'est la même signification que père. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le quatrième jour, c'est un nouveau commencement. On pourrait dire que c'est le commencement de notre temps. Le premier jour, c'était le commencement de notre temps, mais là, à partir du quatrième jour, le temps de la race d'Adam, du monde d'Adam, commence au quatrième jour. Et pendant tous ces jours-là, le Seigneur, il a préparé le ciel et la terre. Il a séparé les eaux. Il a fait la lumière. Il a séparé les eaux. Et à partir de... après, il a fait apparaître la partie sèche.
Hein? C'est-à-dire que les montagnes qui étaient englouties, elles sont sorties de terre, sont sorties de l'eau. Et après cela, à partir du quatrième jour, jusqu'au troisième jour, on ne peut pas mesurer le temps. Combien de temps tout cela a duré, on ne peut pas savoir. Parce que nous pouvons mesurer le temps à partir des notions, à partir de la lune et du soleil. C'est-à-dire le nombre de tours que fait la Terre autour, le nombre de temps que fait la Terre autour du, comment dire, autour du soleil, et puis le nombre de temps que fait la lune autour de la Terre. C'est comme ça qu'on peut mesurer. Amen. Et tous nos appareils de mesure, eh bien, c'est ça part toujours à partir de quelque chose de réel, de visible. Quand on te dit que tu fais un marathon, eh bien, c'est quelque chose de bien précis. Un marathon, ça veut dire que tu pars de la ville de Marathon jusqu'au stade olympique. Olympique. Alors, cette distance-là, c'est-à-dire lorsque tu fais un marathon, quel que soit le pays, eh bien, ce sera toujours 40, je ne sais pas si c'est 41 ou 43 km, 500 ou 600. C'est exactement entre la ville de Marathon et le stade olympique de l'époque. C'est pourquoi quand on parle d'un stade, deux stades, c'était le stade olympique. C'est-à-dire que quand tu vas, même si tu vas les faire mesurer à l'autre bout du monde, mais la mesure, c'est le stade olympique en Grèce. Et alors, ce qu'on dit l'invisible, alors l'invisible crée le visible, c'est ça? Alors, l'invisible, le visible vient de l'invisible. C'est-à-dire que du néant est venu le réel. Mais c'est qui a fait les choses passer du néant au réel? Eh bien, c'était la parole. C'est Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est eux qui ont tout créé. Alors, si j'ai un projet, mais le projet n'est pas là encore, il est encore invisible, le projet que je veux faire. Et pour qu'il puisse être visible, il faut déjà que je... Comment te dire ça? Oui, j'ai compris. Hein. T'as compris? Oui, c'est-à-dire que tout projet, tout ce qui se réalise, ouais, mais part déjà de l'invisible. Est-ce qu'une pensée est visible? Est-ce qu'une pensée est visible? Je réponds dans le micro. Non. Mais est-ce qu'une pensée est réelle? Ça peut, ouais. Est-ce que la pensée existe? Oui. Est-ce que la parole est visible? Oui. La parole, Est-ce que la parole est visible? Ouais, quand tu parles là, est-ce que c'est visible? Non, elle n'est pas visible. Mais elle existe. Mais elle est, voilà. Tandis que la parole, lorsqu'elle passe de l'état de parole, on l'entend. Oui, on l'entend, mais on la voit pas. On la voit pas. À quel moment qu'on la voit? On la voit lorsqu'elle est écrite. Mm. L'écriture, c'est la parole visible. Ouais. Et Yeshua, c'est la parole visible, c'est-à-dire la parole qui s'est faite chair. Yeshua, c'est cette parole qui existe avant le premier grain de poussière qui a créé toute chose et qui a pris une forme visible. La seule façon qu'on pouvait le voir, c'est si on voyait dans le monde invisible. Et lorsque les Elohim, ils ont créé l'homme, ils ont créé l'homme à l'image d'Elohim.
et les hommes, Adam, pouvaient voir les Elohim. Ils pouvaient voir Elohim. Parce qu'ils passaient le visiter. Pourquoi il s'est caché? C'est parce qu'il pouvait le voir. Non seulement il a entendu son bruit, il a été se cacher. Parce qu'il ne voulait pas que l'Éternel puisse le voir, mais lui-même voyait l'Éternel. Parce que il avait la capacité de voir de le monde visible et de le monde invisible. Et par contre, il ne voyait pas qu'il était nu, mais il était réellement nu. Il ne voyait pas qu'il était nu, mais il était réellement nu. Mais ça veut dire qu'il n'était pas conscient de sa nudité. C'est-à-dire que lui, il ne se voyait pas comme l'Éternel le voyait. Du moment qu'il a mangé le fruit défendu, eh bien, il s'est vu comme l'Éternel le voit. Il s'est vu nu. Et c'est pourquoi l'Éternel dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Seul moi, seul Elohim sait que tu es nu. Ça veut dire que tu as découvert quelque chose que tu ne devais pas savoir. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus comme des Elohim. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'Elohim dit? Comme l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Il ne dit pas comme l'homme est devenu comme moi, mais comme l'un d'entre nous, qui veut dire, il est en train de parler, ils sont plusieurs. Elohim, c'est pourquoi Elohim veut dire, c'est le pluriel. C'est pourquoi Elohim, ce n'est pas Allah. Allah, c'est le singulier. Allah, c'est le Père. Allah, c'est le Fils. Allah, c'est le Saint-Esprit. Allah, c'est le Père à part entière. Allah, c'est le Fils à part entière. Allah, c'est le Saint-Esprit à part entière. Mais les trois Allah s'appellent Elohim, forment Elohim. Allah, c'est le singulier. C'est pourquoi il dit, il est devenu comme l'un d'entre nous. Il est devenu comme un Allah. Ou si tu veux, comme le des Elohim. Qui veut dire que l'homme, maintenant, voit des choses qu'il ne pouvait pas voir. Mais par contre, ses yeux se sont fermés sur le monde spirituel. Dans le monde physique, ses yeux se sont ouverts sur le monde physique. Mais dans le monde spirituel, c'est-à-dire que voir les esprits, voir les anges, ben c'est devenu quelque chose de plus rare. C'est non seulement plus rare, mais ce n'est plus naturel. Auparavant, c'était naturel. Qui veut dire qu'on ne pouvait même pas dire qu'ils voyaient dans le monde spirituel. C'était le monde naturel. Mais maintenant, ce monde naturel-là est devenu invisible pour lui. Qui veut dire, c'est devenu le mot invisible veut dire spirituel. C'est devenu un monde invisible pour lui. C'est exceptionnellement, le Seigneur ouvre les yeux de spirituels de certaines personnes pour pouvoir voir dans le monde spirituel. Et les sorciers, eh bien, ils voient dans le monde spirituel. Les voyants voient dans le monde spirituel. À savoir, c'est qui leur donne ce pouvoir-là? Parce que le monde spirituel est fait des anges, mais c'est fait aussi des démons. Un démon peut te donner la capacité de voir dans le monde spirituel, comme le Saint-Esprit. Parce que le monde spirituel, il n'y a pas que Elohim, pas que les anges, il y a aussi les démons. C'est pourquoi il ne faut pas être étonné que certaines personnes, certains voyants voient dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen.
Amen. Voilà, j'essaie. Voilà. Alors, nous allons faire la lecture d'aujourd'hui. C'était important de parler de ce jour. La lecture d'aujourd'hui, nous allons voir le livre de l'Alliance. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait ça. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Le premier livre de l'Alliance. Alors souvent, les chrétiens parlent de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance. Mais les alliances, c'est quelque chose qui se renouvelle. Et là, c'est le premier livre de l'Alliance que Israël a reçu, ce n'est pas les 10 commandements. Les 10 commandements, nous avons vu, ils les ont reçus de manière audible. Mais le Seigneur demande à Moshe de monter sur la montagne pour lui donner les 10 commandements. Mais avant de recevoir les 10 commandements, voilà, on ne se voyait pas. Attention. Avant de recevoir les 10 commandements, ils ont besoin d'écrire le livre de l'Alliance. L'Éternel fait un pacte avec eux. Une alliance, ça veut dire un pacte. Fait une première alliance déjà avec eux. C'est-à-dire, avant de recevoir les 10 commandements gravés par la main d'Élohim lui-même, par ses droits lui-même, hein? Il n'a pas pris un stylo, il n'a pas pris de plume, il n'a pas pris quoi que ce soit. Avec ses doigts même, il a gravé dans la pierre. Il a gravé dans la pierre. C'est le seul texte qu'Élohim a écrit. C'est les 10 commandements. Et aucun de ces commandements ne passera avant que la terre et le ciel ne passent. Parce que ce sont des commandements que l'Éternel a écrit lui-même, et puis ce sont des commandements, les 10 commandements qui sont les 10 piliers, qui veut dire tous les commandements, depuis même avant ces 10 commandements, depuis Adam jusqu'à tous les commandements qu'on peut recevoir dans l'Apocalypse, sont basés sur les 10 commandements. Et ces 10 commandements sont basés sur 2 tables. Une table qui a comme base le commandement qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force, de toute ta force. » Et puis l'autre table, et cette table-là, il y a 4 commandements, et l'autre table qui a 6 commandements, que tu aimeras ton prochain comme toi-même, hein, qui commence depuis honorer ses parents jusqu'à ne pas convoiter la femme, les biens de son prochain. Des commandements sur l'amour de son prochain et les premiers commandements sur l'amour pour Elohim. Et ces deux commandements-là, ces deux tables-là sont basées en même temps sur un seul commandement. Le but d'aimer Elohim de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire pour nous amener à faire du bien sur la terre. Pour nous amener à faire du bien et tout simplement pour nous amener à faire aux autres ce que nous voulons que les autres fassent pour nous. Yeshua a résumé cela dans un seul verset. Il dit toutes les mitzvot, c'est-à-dire toutes les lois, et toute la Torah, c'est-à-dire toutes les instructions, et toutes les prophètes, c'est-à-dire toutes les prophéties, toutes les inspirations, sont résumées dans une seule phrase. C'est fais ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Qui veut dire tout ce qui est marqué dans la Torah,
c'est pour nous pousser à faire du bien aux autres. C'est tout simplement ça. C'est le but de la religion. C'est faire du bien aux autres. Parce que tous, on sera jugés selon nos œuvres. Yeshua, il dit, il demandera des comptes à chacun. On sera jugé selon nos œuvres, hein. Contrairement à ce que le protestantisme dit, c'est faux. Yeshua ne dit pas ça. Il dit qu'on sera jugé selon nos œuvres. On lui dit, mais quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif? Il dit, mais chaque fois que tu le fais pour l'un des plus petits, c'est à moi que vous le faites. Ça veut dire que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aux autres. C'est sur ça qu'on sera jugé. On ne sera pas jugé sur notre onction, on ne sera pas jugé sur notre ministère, on ne sera pas jugé sur le nombre de personnes qu'on a amenées à l'église. On sera jugé sur la façon qu'on se comporte avec notre prochain. Amen. Mais la façon qu'on fait avec notre prochain ne nous empêche pas d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée. Ça ne nous empêche pas de faire du Shabbat. Il n'y a pas de contradiction. Ça ne nous empêche pas de ne pas adorer des idoles. Ça ne nous empêche pas de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, le nom d'Elohim en vain. Ça ne nous empêche pas d'avoir Elohim comme notre, comme avoir je suis comme notre Elohim. Ce ne sont pas les commandements les plus compliqués. Yeshua n'a pas dit, n'a pas résumé ces deux commandements parce que c'est impossible de mettre en pratique certains commandements, non. C'est pas parce que c'est impossible de mettre en pratique le Shabbat, non. Et simplement, il a résumé. Mais il n'est pas venu dire qu'il remplace les commandements. Ça, c'est une fausse doctrine qui vient de Luther. Hein, il faut faire avec Luther ce qu'on faisait avec Paul. Vérifier dans la Torah. Paul, ce n'était pas dans les lettres de Paul qu'on vérifiait si c'est ce qu'il disait était vrai. On vérifiait dans la Torah. C'était la Torah, les Saintes Écritures. Et la Torah reste les Saintes Écritures. Et c'est dommage que le monde évangélique n'aime pas la Torah. C'est dommage. Parce qu'on évoque plein de doctrines, parce qu'on sort de la Torah. C'est la Torah à la base. Et après, dans la Torah, il y a des choses qui concernent que les Juifs et que les Israélites, et puis il y a des choses qui concernent tout le monde. Mais dans la Torah, il y a tout. Il y a tout dans la Torah. Alléluia. La Torah, c'est une instruction. Il y a la loi, les histoires, les proverbes, les instructions. Voilà. C'est ça la Torah. La Torah, ce n'est pas la loi. Déjà, il faut que j'ai besoin de rencontrer un exégèse, je vais lui dire, il faut enlever tout ça. Tout ce que vous avez mis là. Loi, 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 loi. Non. Mettez instruction là. Là qui est marqué Torah, vous mettez instruction. Vous enlevez loi. Et là qui est marqué Mitzvot, vous mettez loi. Ou commandement ou ordre. Comme vous voulez, vous avez le choix. Mais vous ne pouvez pas mettre le mot instruction, le remplacer par le mot loi. C'est une aberration. Et c'est ça qui fait que le monde évangélique est aveuglé sur certains points. Ce n'est pas de leur faute. C'est la faute des exégèses. Ce n'est pas que le monde évangélique, le monde chrétien, en général. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et j'espère qu'un jour qu'on aura notre délivrance, que réellement les exégèses vont faire un effort et traduire. Je sais que ce sera difficile pour eux. Hein. Même pour le Notre Père, ils ont pris plus de 20 ans pour changer une phrase. Aller voir tous les mots Torah, les mettre instructions pour que le peuple puisse comprendre. Et puis garder que loi pour les misotes, pour les commandements. Amen. Alors, nous avons dit aujourd'hui, c'est Union Révi, quatrième jour. Nous sommes le 9 du troisième mois, le mois de Sivan, le mois de la couverture. Alors, nous sommes la dernière semaine. Hein? Nous sommes au milieu de la dernière semaine. Et puis, le quatrième jour, c'est le jour de la naissance
de Yeshua. Hein? Il dit, je suis l'Aleph et le Tav. C'est le jour de son... qu'il est né, le quatrième jour. Et c'est aussi le jour qu'il a donné sa vie. Hein? Le commencement de sa vie et la fin de sa vie, c'est le quatrième jour. Ce n'est pas le vendredi. Alors, si vous voulez manger de la morue ou du poisson en mémoire de la mort du Seigneur, faites-le le mercredi. Parce que c'est un mensonge d'État, un mensonge religieux de faire croire que Yeshua est mort un vendredi. C'est faux parce qu'il ne peut pas rester trois nuits et trois jours dans un tombeau et il ne peut pas dire qu'il va rester trois nuits et trois jours et puis il est ressuscité avant le premier jour de la semaine. Il ne peut pas mourir le sixième jour. Et puis, le premier jour de la semaine, il y a déjà trois nuits et trois jours. Alors, tout ce que le Vatican nous a inventé, c'est faux. Et tout ce que vos pasteurs vous répètent, c'est faux. Ce n'est pas parce que la majorité pense cela que c'est vrai, c'est faux. Yeshua est mort mercredi, il est resté mercredi après-midi, mercredi à 15h. Le coucher du soleil à 6h, ça faisait la première nuit. Le jeudi à 6h, la deuxième nuit. Le vendredi à 6h, commence le septième jour, le Shabbat. Voilà. Et il est ressuscité le troisième jour à la fin du Shabbat. Et les femmes, lorsqu'elles ont été au cimetière, et il était le premier jour de la semaine, avant le lever du soleil, il était déjà ressuscité. Parce qu'ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas vu, le tombeau était vide. Alors, il n'est pas ressuscité au moment que le tombeau était vide. Alors, il n'est pas ressuscité le premier jour de la semaine, ni le dimanche. Il est ressuscité le septième jour. Alors, lorsque Jean, dans Apocalypse, parle du jour du Seigneur, il parle du septième jour, le jour qui est à part. Il ne parle pas du dimanche. Alors, dire que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, c'est faux. Tout ça, c'est l'imagination catholique. Voilà. Tout ça, c'est de l'antisémitisme. Il y a beaucoup de choses à revoir dans le christianisme. Il faut tout remettre à plat. Il faut sortir dans tous les mensonges parce que on dira, mais est-ce que ça sauve? Il est dit qu'il faut que la vérité, c'est la vérité qui affranchit. Amen. C'est la vérité qui libère. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, parce qu'on est dans le noir, parce qu'il nous manque la vérité. Alléluia. Alors, nous sommes le 53e jour après le départ, le dernier repas des Israélites en Égypte. Nous sommes le 54e jour après la Pâque, après la mort de Yeshua, le mercredi après-midi. Alors, ces deux fêtes-là, le 15 et le 14, ce sont des jours de la lune. Alors, la Pâque, ça peut être n'importe quel jour de la semaine. Cette année, c'était un vendredi. L'année prochaine, ce sera un mercredi. Ce sont des jours en fonction de la lune. Les seules fêtes qui sont en fonction des jours de la semaine, c'est le Shabbat, chaque septième jour, et la fête de Shavuot qui est toujours après le Shabbat. Alors, c'est deux fêtes qu'on a, qui veut dire que le seul jour, premier jour de la semaine, qui est un jour de Shabbat, c'est Pentecôte. Le seul jour de l'année. À moins que l'un des autres Shabbats tombe un premier jour de la semaine. Mais vous avez les sept, après la semaine des Pessah le 20, les sept semaines qui ramènent à Shavuot, après le septième Shabbat, chaque année, le premier jour de la semaine, c'est un jour de Shabbat. Alors, et nous allons faire ce jour-là la semaine prochaine. Après le Shabbat, nous allons célébrer. Après ce septième Shabbat, nous allons célébrer la fête des semaines et des prémices. Et c'est le jour aussi que Yeshua a été présenté au temple. C'est le jour de l'Alliance. C'est ce livre de l'Alliance que nous avons lu là. Nous allons découvrir. Sur ce livre de l'Alliance, c'est ce jour-là qu'Israël a fait alliance avec l'Éternel sur ce livre-là. Alors, nous sommes le 51e jour après la résurrection. Alors, nous sommes 11 jours après l'ascension. Voilà, 11 jours, qui veut dire que entre l'ascension
et la Pentecôte, il n'est pas forcément, on n'est pas obligé d'avoir 10 jours. L'année de sa résurrection, de son ascension, il y avait 10 jours. Non, il n'y avait même pas 10 jours, il y avait 17 jours. Mais comme l'ascension, c'est toujours le 27, normalement, ce n'est pas toujours le jeudi, normalement, c'est toujours le 27 du deuxième mois. Et c'est une date fixe, c'est en fonction de la lune. Et Shavuot, c'est en fonction des jours de la semaine. Alors, chaque année, ça peut changer. Ça change. Alors, nous sommes le 36e jour de la naissance du Sauveur du Mashiach. Parce que c'est à Shavuot, il avait 40 jours. Parce que c'est à Shavuot qu'on présente les premiers mâles. Alors, tous ceux qui me disent qu'on ne peut pas savoir la date de sa naissance, c'est faux. On peut connaître la date de la naissance du Christ et la date de sa mort. C'est ce manque de connaissance, c'est parce que les hommes ont voulu nous vendre leur religion européenne, à force d'être antisémites, ils s'éloignent de leur but, le but du royaume des cieux. Nous avons la date exacte de la naissance du Christ, parce que il est dit que Christ, il a été présenté au temple le 40e jour. Et on présente les premiers mâles à la fête de Shavuot. Parce que c'est à la fête de Shavuot qui est la fête des prémices, la fête qu'on présente les premiers mâles. Tout ce que Christ fait, il le fait dans le temps. Il est mort à Pâques. Amen. Il a été présenté au temple à la Pentecôte. Tout ce qu'il fait, il fait les choses dans le temps. Alors, premier livre de l'Alliance. Alors, lisons cela. Alors, la lecture ne sera pas grande. Bonsoir, peuple d'Élohim. Premier livre de l'Alliance, Bible de Yeshua, Mashiach Shemot. Alors, Shemot qui signifie? Les noms. Les noms. Exode, chapitre 21. Versets 1 à 36. Torah sur les maîtres et leurs esclaves. Alors, quand on dit Torah, c'est les instructions. Et dans ces instructions, il y a des lois. Et dans la Torah, il n'y a pas que des mitzvot. Voilà, il faut faire la différence entre Torah et mitzvot. Voici les ordonnances. Alors, je n'ai pas traduit pour vous, mais c'est-à-dire voici les jugements. Que tu mettras en face d'eux. Si tu achètes un esclave hébreu, il te servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre gratuitement. Amen. Alors, première mitzvot, c'est sur l'esclavage. Un homme ne peut pas faire plus de 6 ans, comme les 6 jours de la semaine. Il travaille 6 ans, mais la 7e année, il sera libre. Si les Blancs avaient fait ça avec les Nègres, ce serait parfait. On serait esclaves 6 ans et la 7e semaine, on est libre. La 7e année, on est libre. Et continuons pour voir qu'est-ce qu'il disait. S'il est venu seul, il sortira seul. S'il était le mari d'une femme, sa femme sortira aussi avec lui. Amen. Qui veut dire que toute sa famille. Mais l'esclavage là, ce n'est pas l'esclavage des Blancs. L'esclavage là, c'est un travail. Ce n'est pas une exploitation. Voilà, c'est un travail. C'est-à-dire que les gens travaillaient, mais ils étaient nourris, logés. Ils n'étaient pas considérés comme des meubles, ni comme des animaux. Si son Seigneur lui a donné une femme qui lui est enfanté des fils ou des filles, sa femme et ses enfants qu'il aura seront à son Seigneur et il sortira seul. Voilà. Et ça, c'est très important pour les lois du mariage. Parce que là, son maître lui a donné une femme. Il a eu des enfants. La femme
et de la propriété du maître. Ça, c'est très important. Il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Il l'a. Il s'attache à sa femme. Les deux forment une seule chair. Ils ont des enfants. Mais comme il était esclave, la femme-là, elle n'a pas l'autorité paternelle. L'autorité paternelle, c'est son maître. Et lui-même, le mari, là, son autorité paternelle, c'est son maître. Parce que c'est le maître qui lui donne la femme. Et le maître peut décider, bon, les enfants que tu as eu là, restera à moi, je vais les garder pour pouvoir continuer. Puisqu'après, on va voir pour la femme, ce n'est pas les mêmes règles. Alors, on pourrait se dire, mais comment... Parce que lorsqu'on est marié, on ne peut pas divorcer. Et on est marié pour la vie. Et là, c'est l'Éternel qui parle. Hein. Ce n'est pas Moïse qui décide là. Là, c'est l'Éternel qui parle. Et là, on dit, c'est le premier livre de l'Alliance. Et après, on va voir comment les alliances progressent. Parce que tu ne peux pas arriver alliance et de Nouveau Testament et tu ne connais pas. Parce que le mot testament, ça veut dire alliance. Tu ne peux pas parler de nouvelle alliance si tu ne connais pas les premières alliances. Et là, c'est les plus anciennes alliances. Et on verra après, les choses évoluent. Si l'esclave dit, j'aime mon Seigneur, ma femme et mes fils, je ne veux pas sortir libre, alors son Seigneur le fera venir devant les juges et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son Seigneur lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira pour toujours. Amen. C'est-à-dire la septième année. Il sera libre, mais si son maître lui a donné une femme, il a eu des enfants et il veut garder sa femme et ses enfants, eh bien, il restera esclave. Mais à ce moment, il fait une alliance, il fait une nouvelle alliance. Parce que la première alliance, c'est 6 ans et la septième année, tu es libre. Mais là, la seconde alliance, c'est-à-dire que la septième année, tu t'engages à servir ton maître pour toujours. Et à ce moment-là, on met dans ton oreille un anneau qui veut dire personne ne peut t'acheter. Tu as ton maître pour toujours. Tu seras avec les gens que tu aimes, ta famille, mais tu ne seras pas indépendant. Alors, par contre, verset 7. Si quelqu'un vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira pas comme les esclaves sortent. Voilà, c'est-à-dire que comme les hommes. Hein? Si elle déplaît aux yeux de son Seigneur qui ne l'aura pas fiancée, il la fera racheter. Alors, si elle déplaît aux yeux de son maître, Seigneur, ça veut dire son maître, qui ne lui a pas fiancé, soit il n'a pas fiancé avec son fils, ou qu'il ne l'a pas fiancé avec un esclave. Là, on a vu le cas lorsque c'était avec un esclave. Si l'esclave avait décidé de partir, le maître récupérait la femme. Qui veut dire la femme et les enfants deviennent c'est la propriété du maître. Et le maître, à ce moment-là, pouvait avoir des relations sexuelles avec cette femme. Parce que ça devenait une de ses femmes, une de ses concubines. Mais là, on nous dit, s'il
C'est-à-dire qu'il a acheté une femme, une fille, et elle ne sortira pas comme pour comme pour les hommes. Si elle déplaît à son maître, il n'a pas fiancé ni avec un esclave, ni avec son fils, il la fera racheter. Mais continue jusqu'à la fin du verset 8. Mais il n'y aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger après lui avoir été infidèle. Amen. Un, il ne peut pas vendre cette femme, cette fille, à un étranger. Il faut qu'il vende pour un Israélite. Il est dit après lui avoir été infidèle. Attends, nous, lorsque nous parlons d'infidélité, c'est lorsque ton mari t'a trompé ou ta femme t'a trompé. Mais pourquoi on parle d'infidélité? La fidélité, c'est-à-dire qu'il y a une alliance. C'est-à-dire que s'il n'a pas été infidèle, ça veut dire s'il n'a pas été fidèle à l'alliance. L'alliance, qu'est-ce que l'alliance nous disait? L'alliance dit quelle est la propriété du maître. Si elle n'a pas fiancé, d'accord? C'est-à-dire que si elle est célibataire, elle est la propriété du maître. C'est-à-dire que si elle est célibataire après avoir fait 6 ans, et après avoir fait 6 ans, le maître ne l'a pas fiancé, il ne l'a pas donné ni à un esclave, ni à son fils, ni l'avoir pris pour lui, ça veut dire qu'il n'a pas respecté l'alliance. Parce que son rôle, c'était que cette fille devienne soit sa femme, soit la fiancée de son fils ou d'un esclave. Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi si le maître a déjà une femme, même si le maître avait déjà une femme, il pouvait avoir plusieurs femmes, hein, comme David, comme Salomon. Le verset 9 nous donne plus d'éclairage. Mais si la fiancée a son fils, il fera pour elle selon le droit des filles. Voilà, c'est-à-dire, le droit des filles, c'est-à-dire elle ne sera pas considérée comme une esclave. Elle sera considérée comme une belle fille. Voilà. Alors, continuons. S'il en prend une autre pour lui, il ne diminuera en rien la nourriture, les vêtements et le droit conjugal. Voilà, c'est-à-dire que si il n'a pas donné à son fils, hein, mais s'il en prend une autre pour lui, alors c'est-à-dire qu'il va la garder comme femme, parce que la fille a été vendue par son père pour le maître. Il doit lui trouver un mari, ou c'est lui qui est le mari. Amen. Et qui veut dire que lui, il doit assumer ces 3 choses. Quelles sont les 3 choses qu'il doit assumer? La nourriture. La nourriture, premièrement. Les vêtements. Les vêtements. Et le droit conjugal. Et le droit conjugal. Lui faire 10 enfants. Si elle donne des enfants. Mais s'il ne respecte pas cela, qu'est-ce qui se passe au verset 11? S'il ne fait pas pour elle ces 3 choses-là, elle sortira gratuitement sans argent. Voilà. Elle sortira sans que quelqu'un puisse l'acheter, sans qu'un autre Israélite puisse l'acheter. Elle sera libre. Et elle pourra faire sa vie. C'est-à-dire qu'elle pourrait être libérée après 7 ans, la 7e année, mais ce n'est pas de la même façon que pour l'homme. Parce qu'elle est la propriété. Même quand elle donne l'homme, le maître donne une femme à son esclave, elle demeure la propriété du maître. Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là et puis on va
continuer sur les lois, sur les dommages corporels, œil pour œil, dent pour dent, tout cela. On va faire ça demain. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alors, je te laisse remercier le Seigneur le temps que je vois que si tout est bon. Alléluia. Je te laisse remercier le Seigneur. Merci, Elohim, forte, puissante forteresse. Merci pour ta Torah. Merci pour ton instruction. Merci pour ta parole. Merci pour ton quatrième jour. Merci pour ton rite. Merci pour ton bête. Merci parce que ce quatrième jour, ça a été le commencement des temps. Amen. Pour l'homme. Merci de ce quatrième jour, parce que ce quatrième jour, tu as marqué les temps, les saisons. Alléluia. Merci. Merci pour ton immense amour. Merci parce que tu es amour. Tu es trois fois saint. Amen. Merci parce que Elohim, tu es Elohim miséricordieux. Tu es Elohim de bénédiction. Amen. Tu es Elohim de grâce. Alléluia. Tu es Elohim de pitié aussi. Tu es Elohim tout en haut. Amen, amen. Tout en haut. Rien ne peut t'égaler. Même le ciel que tu as créé ne peut te contenter. Merci. Béni Elohim, chacun d'entre nous, en ce quatrième jour. Bénis tous ceux qui sont fatigués. Amen. Tous ceux qui te cherchent. Tous ceux qui ont perdu espoir. Tous ceux qui ne comprennent rien. Tous ceux qui sont fatigués. Car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et je vous donnerai du repos. Donneur de ton repos, Elohim. Amen. Donne de ton repos en ce quatrième jour. Bénis tous ceux qui cherchent la vérité. Bénis tous ceux qui cherchent du travail, Elohim. Tous ceux qui recherchent du travail. Tous ceux qui cherchent à gagner leur vie, à nourrir leur famille, Elohim. Merci en ce quatrième jour, ou ce jour qui a été le commencement, où Yeshua a été. Merci. Est né, Elohim. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que nous entrons dans la dernière semaine des Shavuot. Alléluia. Elohim. Nous sommes dans cette dernière semaine. C'est cette semaine, cette septième semaine, Elohim, de ta main droite remplit notre maison de bénédiction. Oh God, bless and shine. Remplis-la de bénédiction, Elohim, de ta septième semaine des Shavuot. Amen. Remplis-la de miracles, de prodiges, de bénédictions, de ton yé, de ton souffle. Souffle. Souffle, Elohim. Alléluia. Souffle sur notre maison. Souffle. Merci, Elohim. Oh Dieu, il est là. Merci de ce que tu fais. Oh, my bad, de ce Lord, que tu feras. De ce que tu as déjà fait.
Amen. De ce que tu as déjà fait, Elohim. Amen. Merci pour les petites choses. Alléluia. Merci pour les choses à venir. Amen, amen. Comme Jacob a dit avant de mourir, a dit à ses 12 enfants, venez, je vais vous révéler ce qui se passera dans les temps à venir. Alléluia. Il a dit à chacun de ses 12 enfants, il a donné une bénédiction à chacune. Amen, amen, amen. À chacun, il a donné une bénédiction. Amen, 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 amen. À chacun. Alléluia. Oui, il a dit avant Alléluia. Qu'il ferme ses yeux. Il a appelé ses 12. Alléluia. Merci, Elohim. Oh. Merci. Oh. De ton yé. Amen. Merci pour tes bénédictions. Amen. Merci, Elohim. Orange. De souffler. Amen, amen. Souffle sous cette maison, Elohim. Oh, my being alone, make and shine alone, and dig and nourish. Que ton souffle soit nouveau, Elohim. Oh, my body, que ton souffle nous fasse du bien. Que ton souffle nous revigore, Elohim. Que ton allève. Alléluia. Que ton taf. Amen. Nous fasse du bien. Instruis-nous encore. Instruis ton serviteur encore davantage et merci davantage. Seigneur. Révèle-lui les choses cachées. Amen. Car tu as dit, tu révéleras à certains les choses cachées. Amen, amen. Merci de nous révéler les choses cachées. Elohim. Amen, amen, amen. Merci. Révèle à ton serviteur et prends soin de lui, Elohim. Hallelujah. Qu'il ne nous manque de rien. Oh, qu'il ne nous manque de rien. Comme Joseph, il lui a rien manqué, Elohim. Merci pour ce que tu fais. Hallelujah. Bénis nos familles, bénis nos maisons. Prends soin de tous ceux qui souffrent, Elohim. Hallelujah. Tous ceux qui sont dans la rue, tous ceux qui n'ont pas de maison, Elohim. Amen. Bénis. Bénis l'Ukraine, bénis la Russie, bénis nos présidents. Alléluia. Bénis nos familles, bénis toutes les îles, Elohim. Alléluia. Merci pour ton grand amour. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Soyez béni richement dans le nom puissant de Yeshua. Amen. La joie que tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. La tranquillité tu m'as donnée, personne ne peut l'arracher. Give me Lord, Lord Jesus, I. Give me Lord Jesus, I got brick and hot. Give me child, brick and Lord, a black and side. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Hallelujah.
la pluie, car les séquines, les séquines, les blots, la pipi, par la pluie, ton île, il va venir, les blots, chaille, la roue, mais il va y aller, la gonne, la guise, il fait 5 ans, il l'ouvre la ligne, le 5 ans. Alléluia! 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 Amen! Alléluia! 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 Hallelujah! Hallelujah.